Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Marois. La la la, ta 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 ta. Et Marois, elle la la dalle, et Marois, elle la dalle, elle va bientôt crever. Oh, oh, yeah! Bon, elle va boire juste après et prendre une douche aussi. Nous sommes dimanche, il est 20h. D'accord, tu pourras peut-être coucher la petite fifille. Oui, parce qu'il va être l'heure pour elle, hein. Quoiqu'elle est pas hyper fatiguée. Toi, tu sais ce que tu fais? Ouais, au lieu de jouer là, écris sur ton bouquin. Et je vous rappelle qu'on est plutôt en ce moment en opération pognon pour Marois, Caleb. Parce que il faut qu'ils aient qu'on achète un appartement qui est dans le quartier. Que l'appartement il est là, c'est celui-là. Hein. Et il faut 83 000 simflouz pour pouvoir l'acheter. Et sans compter les travaux que ça va impliquer. Il y a quand même pas mal. Assez sympathique. On restera dans le quartier, mais on sera chez nous. Voilà, donc aujourd'hui on va encore avancer sur des quêtes d'argent. Et puis voilà, c'est pour ça que là je lui fais refaire son bouquin, enfin finir son bouquin. Et on va parler un peu à Nabeshima. Alors ça c'est les toilettes, c'est pour faire pipi, Azenor. Pipi caca. Comme tu es pas encore une vampire déclarée, tu vas en faire beaucoup. Mais quand tu seras ado, tu arrêteras. Le bibi, c'est ce que tu manges. Le Bibi. Et elle dit Bibia. Bibia. Je vous rappelle que Noubou, en Sims, veut dire bébé. Tout va bien. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se coucher. Bon, bah c'est parfait. Comme ça, elle va manger. Hop, on a gagné 4 Simflouz. C'est gentil. C'est juste. On est encore loin de ce qu'on a besoin. Pour acheter l'appart, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Nabeshima? Qu'est-ce qu'il y a, Nabeshima? Tu te grattes, t'as des puces? Tu vas jouer au pointeur laser un petit peu. Ok, elle a mangé. On dirait qu'elle mange dans son bain, quoi. Tout va bien. Ouais! La petite, elle est partie dormir. C'est parfait. Et Kalebou continue son bouquin. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Et alors, je me souviens pas. Récolter les fruits d'un. Se faire un meilleur ami pour la vie. On est à 11 jours sur 14 pour Caleb. Il me semble que on est bon côté de fruits d'un arbre. Ça m'a fruit pour 3 fois. On est bien, on est bien, on est bien. Tu vas l'arroser. Et puis, non, c'est bien pour l'instant. Ça n'a pas refait de fruits. Donc, on est super bien pour. C'est bien. Et pourquoi Caleb ne l'a pas? Le meilleur ami pour la vie, ce n'est pas Marois. C'est bizarre. Bon, je vais les faire un meilleur ami ensemble. Et puis, ce sera bien. Parce que sinon, ce serait dommage. Donc, on a quasiment fini l'aspiration avec beaucoup, beaucoup de complications, n'est-ce pas? En espérant qu'il n'y ait pas de drama entre les deux. Ce serait dommage. Il n'y a pas. Montrer les photos de Savadorada. Tu vas éliminer la journée et puis on verra après ce que ça donne. Bah voilà, on a notre pitchounette qui est très, 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 très fin. Nabeshima a préparé les Sims, c'est parfait. Tu vas ouvrir. On a toujours des pancakes pour la choupinette. Tu vas manger une portion, Fifi. Est-ce qu'après tu pourras aller sur le pot et retourner te coucher? D'accord? Toi? Non, non, tu peux. Occupe-toi de ta première fille déjà. Ah non, elle est déjà très joueuse, on va se calmer un peu. Tu vas faire un câlin, Nebeshima, et tu vas la caresser. Oh, le gros minou. Oh, tu minou, minou. Mais arrête de tourner dans tous les sens, Marois. Tu veux que je fasse des... Tu l'as même pas caressée.
Ça veut dire quoi? Tu peux la brosser. Ah, Caleb a fini un bouquin. Tant mieux, ça va nous faire du pognon. Caleb, tu as fini ton bouquin. Tu peux du coup. Tu vas prendre le courrier. Vendre un éditeur. L'archéologie. Voilà. Comme ça, c'est fait. Oula, tout ce qu'il y a là-dedans. D'accord, il y avait tout un truc de blindé, mais en fait, il avait qu'une seule lettre. C'est logique. Et on a encore pas mal de choses à voir. Oh là là, je vous jure. C'est beaucoup. Bon, vous pouvez discuter entre vous. Black Tok Tok qui est là. Inhumé la journée. Disons que ça fait longtemps que vous n'êtes pas fait un bisou, hein, ou c'est moi. Et tu vous sautez dessus tout le temps l'un sur l'autre. Inhumé la journée. Parce que là, il faut que je les fasse meilleurs amis en fait. Comme ça, ce sera fait. On avancera dans la. Aider à améliorer mes relations. Ah ouais? Ça marche comment? Parce qu'il a le totem, c'est ça? Est-ce que ça marche comme ça? Non? Après, on s'en fout, hein, c'est le voisin, hein. Elle va son pot. Tu as raison, j'irai lui parler la prochaine fois que j'en aurai l'occasion. LOL, MDR, PTDR. Ben non, on s'en fout. C'est le voisin, quoi. Vas-y, embrasse ton homme. Je suis jeté des moudous. Te complimenter la tenue. C'est lui, hein, qui a besoin d'un meilleur ami. Ouais. Oh là là, on est à deux pas de. Quand même de devenir de finir cette putain d'aspiration, comme je disais. Qui se font des mamours. Tout va bien, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donner des conseils d'éducation. Lol. Je suis pas sûre. On peut pas devenir meilleurs amis comme ça. Oh là là, elle pense à. C'est casson de notre Caleb, il me semble, les petits cœurs rouges déjà. Donc, te moque pas de sa. De ses tenues vestimentaires, hein, quand même. On va raconter une blague. Je sais pas si. Discuter. Mais ils sont mariés, hein. Mais oui, mais fais ton pipi, Azenor. Après, tu pourras aller. Oh, elle en a foutu partout, la dégueulasse. Allez, va dormir, comme une grande que tu es. Nous, on a des adultes à gérer. Tu peux toujours pas se renseigner sur la carrière. Tu fais quoi en fait comme boulot, chérie? Ouais, non, on vit ensemble depuis un moment, on a eu un enfant, mais j'ai oublié que. Mère au foyer, oh le truc Marois quoi. Marois, mère au foyer, c'est tellement bizarre. Je suis renseignée sur un autre sim. Rieko, allez, on va voir ce qu'elle dit sur Rieko. Ah bah voilà, ils sont partis déjà faire des trucs tout seuls là. Amical, prise de choix, discuter sans intérêt. On peut toujours pas être meilleurs amis, hein. J'aime bien Rieko, elle est vraiment sympa, d'accord. Quand est-ce qu'on peut avoir les meilleurs amis pour la vie? Je pense qu'il faut faire pas mal de trucs d'interaction. Ah bah, d'accord, il connaît pas tous ces traits de caractère. Non mais c'est la blague. C'est la blague. Toujours pas, hein. Tu pantalambique, ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est ambitieux et il a pas eu un truc depuis longtemps. Se plaindre des problèmes. Bah ouais. Évacuer le stress. Blague perso. Oh mon pauvre Calebout, tu as tellement de problèmes dans ta vie. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Ça l'a saoulé ce que tu lui as dit, je crois, surtout.
prend une photo ensemble. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ça le déstresse. Oh, c'est dégueulasse. Les toilettes. Discuter d'histoires anciennes. Illuminer la journée. Bon bah ça va, il va mieux là. Essayer de faire un bébé. Pas avant le prochain appartement. Déjà. Complimenter la tenue. On est un peu à fond là. J'essaye vraiment de faire monter l'aspiration. Mais ayant eu vent de la renommée archéologue de Caleb, l'association des objets anciens lui envoie quelques objets lui demandant de l'aide pour identifier leur origine. Une énorme compensation financière en échange. Oh, bah, on va le faire, hein. Merde, les pancakes. Ah, oh, il va falloir refaire à manger pour la petite. Tu fais quoi, toi? Non, mais hein, si t'es très inspiré, tu sais quoi. Ah oui, j'allais aller dans le local, mais il n'y a plus le local. Tu vas faire un paysage. Puis après, tu vas me faire une toile classique. Voilà. Profitons-en. Calebou, tu vas authentifier un objet ancien. Tac. Et tac. Comme ça, si on peut avoir une énorme compensation financière, j'espère qu'elle est à la hauteur de 10 000 simflouz. Ce serait plutôt pas mal. Là, ça nous ferait bien avancer. La dernière fois, on a quand même avancé de 10 000 simflouz en un épisode. Mais bon. Là, ça serait mieux si c'était comme ça. Oh, Nabishima, ferme ta gueule! Non, je l'aime bien cette chatte, mais au bout d'un moment, ça commence à être lourdingue. Alors, ok, c'est authentique pour ça. Ok, peut-être que donc, est-ce que c'est ça? Renvoyer, ouais, cool! Ben, c'est parfait, on va pouvoir avancer rapidement. Marois, elle a fini son paysage. Là, elle fait une toile. Est-ce que son paysage... 666. Ah, c'est le diable. C'est le diable. On va vendre un collectionneur, c'est parfait. Mais oui, Nabishima en a compris. Ah, oh, là, là, c'est pas possible. Bon, je la rajeunirai pas, hein. Elle me saoule. Hein. C'est horrible ce que je dis. Ouais, non, mais bon. J'aurais tellement aimé avoir des bébés, mais malheureusement, c'est tellement compliqué. J'ai abandonné l'histoire. Bon, et ben c'est authentique aussi pour ce couteau-là. Et ben tu sais quoi, tu vas admirer le nouveau bien. Oula, on a vu Marois en grosse tête. Et tu vas renvoyer. Et tu vas renvoyer. On a eu 4600. 3400. C'est... Ben voilà. 4006 et 3004. Je crois que l'un dans l'autre, ça fait dans les 10 000. Et on est monté à 100, à 63 000 simflouz. Il nous en manque 20 000. Et on a l'appartement. On s'en rapproche timidement. Mais c'est bien. Oh, punaise, mais ils ont la dalle en ce moment, nos vampires. Hein. Gars. Non, alors déjà, tu vas manger. Arrête avec tes Sims, tu vas prendre une douche. J'ai vu aussi que le petit Plasma Fruits, il avait ses trucs, donc tu vas récolter ça. Nabishima, arrête. Comme ça, ça va faire avancer ton aspiration. Et puis, on va peut-être aussi à pouvoir devenir meilleurs amis. Du moins, je l'espère, un jour. Et mais il me semble qu'elle est déjà meilleure amie avec Rieko, un truc comme ça. Je sais plus. Tu vas exprimer ton admiration vers ta femme. Tu vas discuter. Demander une transformation. Mais gars, tu es déjà vampire. C'est toi qui a transformé Marois. Bon, ça remonte à super loin, mais ça vient de... C'est... Voilà. Essaye de faire un bébé dans le cercueil. Non. Plus de choix. Flatté. Mais sinon, on peut vraiment pas devenir meilleurs amis, quoi. Non, je sais pas.
Bah, sinon, Marwa, tu peux aussi arrêter de faire ta... enfin, finir ta toile là, dans 5 minutes parce que tu mets du temps là ce coup-ci. C'est pas cool quoi. Oh, mais Marwa vient de faire un chef-d'œuvre. 1040, je pense que c'est. Bénédiction mystique, ça aussi, c'est pas mal. 1040, c'est les livres de Caleb Wu. Et là, on va voir 2337. Ouais. Ouais, on a vachement bien avancé au niveau de la thune, là, les enfants. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si tu vas manger. Et vous ne pouvez pas devenir meilleurs amis si je commence à être chiant, en fait. Discuter. Massation profonde. Discuter. Ils sont mignons. Je galère là-dessus. Ah, Gaston. Le passé du futur. Allez, on va aller voir Gaston. Salut, Gastinou, tu es en train de cramer, mon Gaston. What? On m'explique, il est passé où? Oh, puis paye ton musée, quoi. Mais non, mais... Quel est le FUC? Gaston, il s'est volatilisé, c'est parce qu'il est mort. Oh, c'est pas possible. Non, Gaston, il est là. Bah, on va rentrer, hein. Ça sert à rien, là. Il s'est volatilisé de type volatilisation immédiate. Il s'est dit, oh, ça crame un peu par ici. Allez, je rentre. Peut-être que Rieko était sur le point d'accoucher aussi. Je vous rappelle qu'on les a un peu calés ensemble et que Rieko était enceinte. Pour avoir un petit cousin ou cousine pour Azenor, ça pourrait être sympa. Voilà. Ah, les factures viennent d'arriver dans votre boîte aux lettres. Vous devez... Oh non, on ne veut pas payer les factures. Tiens, le voisin. Payer le loyer. Voilà, on est redescendu de 900 boules. Quoi? Ah, Choupette, elle est là. Choupette, Choupette, ça va. Mais non, quoi. Caleb joue à la poupée avec sa fille, quoi. LOL. Bah, écoutez, il s'en va. Du coup, vu que Gaston nous a fait un faux plan. Est-ce qu'on n'inviterait pas tout le monde? On pourrait faire une petite réunion de groupe là. Allez-y, on a commencé. On commence tout le monde. Alors, danser, être amical et raconter des blagues. Et interdit de se battre, on est ok. Pendant que les voisins ils font des choses. Illuminer la journée. Essayer de se calmer. Comme ça, tout le monde va pouvoir venir faire connaissance à la petite Azenor. Alors, dans cette partie, Lilith n'a pas donné vie aux enfants de... Ah, on a gagné des sous. Je sais pas, fais gaffe. Ça devait pas être énorme, de toute façon. Proposer un plan fou. Mais Rieko, t'as accouché ou quoi? Eh ben non. Pour l'instant, dans l'arbre de vie, nous n'avons pas encore. On dirait qu'elle est. Oh, ils sont trop mignons! Ah si, elle est encore enceinte, mais on dirait pas, c'est comme elle a toujours été ronde. Compétence 3 de communication. Qu'est-ce qu'il y a?
Voisin bruyant. Ah oui, ma pépette. Elle fait connaissance avec sa tante, c'est mignon. Partager de l'amour. Oh oui. Avec la maison de poupée, pas du tout chiante en plein milieu du truc, mais... Oh, Ryeko, t'es malade? C'est la grossesse qui fait ça, ma belle. Va voir Tati, Tati Lilith. Oh. Trop chou. Elle grandit dans 4 jours, Azenor. Marwa est partie nous faire une toile. Oh, mais les voisins, quoi, c'est pas possible. Toi, tambourine à la porte un peu. Mais elle. Ah, c'est dommage, j'ai plus Rieko pour la bouffer. Vampire, barre du plasma contre hypnotisé. Tiens, tu vas l'hypnotiser. Mais meuf, en fait, si toi t'es dans le couloir, qui fait crac-crac dans ton appartement? Ton mari fait crac-crac avec qui? Nous sommes dans les appart. On voit qu'Alev qui râle. Parce que ton mari te trompe, meuf, en fait, c'est ce que je voulais te dire. Ouais, complètement. Ouais, c'est bon. Vas-y, barre-toi. Qu'est-ce qu'a cassé la maison? Oh, écoutez, accent de rire, quoi. Voisin bruyant. Ouais. Oh là là, les manières et tout. Hé, Fifi, tu viens faire ton pipi. Eh, tu vois, tu peux aller sur le pot comme une grande. Alors, je confirme qu'il se passe des trucs vraiment bizarres chez les voisins, parce que... Donc, le voisin, habillé en soubrette, faisait du sexe avec on sait pas qui, mais pas sa femme, parce que sa femme était là. Et comme il est habillé en soubrette, je confirme qu'effectivement, il s'adonne à des plaisirs un peu autres qu'avec que les classiques avec sa femme. Ok. Je m'y attendais vraiment pas à celle-là. C'est énorme. Ah non, mais là on est bien quand même, hein. On est très très bien. Tiens, tu peux discuter un peu avec Gaston, tu vas partager des photos. Tu vas faire une blague et tu vas avec Angélique. Angélica, super sweet. Rieko. Une histoire dramatique comme ça, c'est bon. La petite Azénor, elle va aller faire son petit pipi. Maman, elle a fait la toile. Maman, c'est bien. Tu peux vendre un collectionneur. Et tu vas faire à manger pour la petite. Tu vas servir le déjeuner des sandwichs. Pour que ta fille puisse manger. Parce qu'elle est encore humaine à l'heure actuelle. Et sinon, elle va mourir de faim, quoi. Tout simplement. C'est vampire. Oh là! Oula! Il y a un bug dans la matrice. Oh la vache. Entre Caleb et Rieko, il y a eu un sacré bug. Mais qu'est-ce que tu fais à genoux? Mais je suis sans voix là, je comprends pas ce qu'il fait à genoux en fait. Ah mais il y a un film en même temps. Oh là là, le bordel dans la baraque quoi. La musique, le film, il y a bien tous les voisins. La chatte. Mais pourquoi tu es assis? Punaise. C'est pas possible, hein. T'as fini ton sandwich, Marwa? C'est toi qui as mis la... Ouais, elles sont en train de s'entraîner, les deux filles, là-bas. Tu manges pas, hein? Non, tu manges pas. C'est Fifi qui va venir prendre une portion. Parce qu'elle a fait son petit popo. Donc ça, c'est bien. Oh, et elle a fait ça proprement, en plus. Oh, mais c'est bien, Zénor. C'est très, très bien, ma petite. Est-ce que, du coup, tu as encore des trucs à découvrir? Oh, ouais, elle a une tonne de trucs à découvrir, Marwa. Une tonne et demie de trucs à découvrir. Bon, donc...
Ça s'éclate dans le saloon. Et Lilith, elle s'est barrée? Bah écoute, oui, c'est sa barrée. D'accord, c'est sympa Lilith d'être passée. Ne reviens plus, quoi. Elle a fait connaissance à sens avec sa nièce et elle a dit, ouais, c'est bon, maintenant je l'ai vu, je peux me barrer. Ah, il y avait aussi avec la compétence charisme, on pouvait emprunter de la thune aux gens. Et je m'étais dit, ça pourrait être bien d'avoir un gros prêt. Ouais, on va demander un gros prêt à Gaston, de toute façon ils sont riches dans la maison. À elle aussi, on va demander un gros prêt. Alors, attendez. Un gros prêt, et à Angélique aussi, on va demander un gros prêt. Ah, ben non, parce que tu vas pas faire ça. Discuter avec Gaston, oui. Tu vas demander à Angélique un gros prêt. Un gros prêt, voilà, et peut-être qu'on aura 5 et 5000. On aurait gagné 15 000 simflous d'un coup, et 15 000 simflous, ça nous ferait 76, et ben 81 000 simflous, et ça, ce serait bonheur. Caleb n'a pas... a réussi à ne pas boire de plasma dans son organisation en 12 jours, défi, on s'en fout. On avance, Caleb a fouillé un oiseau préhistorique. Ouais, fais voir ça. Un oiseau préhistorique. Parce qu'en fait, je l'ai fait analyser ça, les roches, je savais pas qu'on pouvait le faire. Allez, s'entraîner à l'analyse. En fait, on a tout ça, mais on a aussi les fossiles. Du coup, ils trouvent d'autres trucs, j'ai l'impression. Ah, Pipite, petite... Tu veux... Ouais, tu peux... Ou tu peux jouer à la poupée, tu peux faire les cubes, tu peux faire plein de choses à Zenor. Bon, ma roi, par contre, c'est quand tu veux... Ah, t'as toujours pas fini ton truc. Pour aller demander de la thune, là, aux gens. Authentifier un objet. Non, mais tu parles pas. On n'a pas le temps de parler. Ben voilà, c'était authentique. Oula, Rieko, tu nous as sorti un maquillage de taré, quoi. Bon, tu te dépêches. Ma roi, on a besoin de thunes. Voilà, merci. Demande de... Mais qu'est-ce qu'ils ont à se mettre à genoux devant Gaston? Ils ont un problème ou quoi? Gaston, c'est le roi des vampires ou quoi? Mais il y a toutes les interactions qui ont sauté. Demander un gros prêt. Alors, on a reçu 4 simflous de la fée. Mais elle aussi, maintenant. Non, mais... Ok. Tu demandes un gros prêt à tout le monde. Dites, en fait, on a besoin de vachement de thunes pour acheter un appart. Est-ce qu'il y a moyen que vous nous prêtiez des sous, en fait? Comme ça, on l'a plus vite et genre, au prochain épisode, on pourra déménager. Ce serait cool! Comme ça, on fera de la déco et tout. Ah! Ah! 2000! Bon, non, il n'y a pas encore, quoi. Une main de fossilisée. 2000. Et voilà. En fait, on a eu 2000 simflous. Je pensais que ce serait... Mais non, mais c'est pas grave! Ça se passe bien avec... avec Gaston, quoi. Je sais pas, mais conversation profonde. Black perso, voilà, comme ça on gagne des points aussi. Et tu lui redemandes un prêt, j'ai pas l'impression qu'il a aimé... Écoute, Gaston, c'est autant mon argent que le tien, enfin je suis désolée mon gars. Elle a vachement participé au gain de la famille, Marwa. Hein. Elle est partie qu'avec 20 000 simflous en poche de la maison. Alors que vous étiez dans la famille, elle a participé à je ne sais combien de milliers, quoi, de simflouz. What? Il veut pas lui prêter de la thune! Ah, le bâtard! Le bâtard, qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle en a marre des cubes? Ah non, elle est fatiguée. Eh ben, écoute, Fifi, tu sais ce que tu fais? Tu vas aller faire une sieste tout net, voilà. Ah ben non, 20h! Oui, dis donc. Alors, ok, non, j'essaie. Marwa, tu vas arrêter... Oh là, il y en a une qui rigole très bizarrement. Tu vas donner un bain de mousse à Fifi.
Voilà, tu vas donner un bain de mousse à ta fille. Calebout, tu t'occupes pas, s'il te plaît, de ta fille. Toi, t'avais... D'accord. Ok. On est bien. Tiens, tu peux faire évoluer. Vas-y, tu vas arroser le truc. Elle va faire le petit bain de la fille. Tu vas mettre Alzenor au lit en espérant que ça fonctionne. Ah, mais j'en reviens pas, c'est que c'est un bâtard, quoi, Gaston. Le mec, il est radin à fond. Il a pas participé un copec pour le challenge, quoi. C'est Marva qui a tout ramené la thune. Parce qu'en plus, non seulement elle faisait des toiles, mais elle faisait aussi le jardin quand Jean-Kévin pouvait pas. Ok. Non, 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 quoi. C'est autant son thune, ses thunes qu'à toi, hein. Même plus, j'ai compétence 5, éducation. C'est parfait. Oh, c'est chouchou. Elle a quand même pu la mettre au lit. Donc ça, c'est bien. Marois, tu vas mettre ça dans ton inventaire. Pendant que... Est-ce qu'on peut demander encore un prêt ou pas? Non, j'abuse. On va mettre fin à la réunion. C'est ici, mettre fin à la réunion. Hop. Donc pour l'instant, Kétrieko, un petit peu enceinte. Je suis pas sûre qu'elle soit toujours au premier ou au deuxième. Pas sûre qu'elle soit au deuxième trimestre en fait. On a gagné 0 points, c'est super. Et non, tu vas, vu que tu es très inspirée, tu vas nous refaire une toile abstraite de Saint-Symphlouze. Et ici, une toile surréaliste de Saint-Symphlouze. Elle a faim, la choupinette. Lui, je l'ai commencé à faire écrire un livre encore. Mais il nous faut de l'argent, il nous faut de l'argent, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La petite, elle est partie se coucher. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Mais sur ce, je vais vous laisser pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas jouer avec toi, hein, Zénor. Elle dort là, la petite. Tiens, tu vas appeler. Comment ça s'appelle? Nabeshima, là. Tu veux discuter? Voilà. Comme ça, elle ne dérange pas la petite. Alors, c'est en espérant que cet épisode vous aura plu. Et on n'est pas très loin, du coup, de déménager. Ce sera donc pas pour l'épisode prochain. Mais l'objectif reste le même, de déménager, d'aller dans un appart un peu plus tranquille, sans voisins bruyants et compagnie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Marois ou d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser un message. Allez, salut!